Eh bien, c'est avec grand plaisir que pour ce deuxième entretien de la chaîne Lumière, nous recevons, ou c'est plutôt l'inverse, puisque c'est Jacques Vandrillard qui nous reçoit chez lui, à Bruxelles. Donc nous recevons le psychologue Jacques Vandrillard. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de psychologie à l'Université de Louvain. Oui. Et également à l'Université de Saint-Louis, qui est à Bruxelles. Oui. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un déconverti de la psychanalyse. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Vous avez été membre de l'École belge de psychanalyse de 65 à 79. Oui. Et vous nous expliquerez dans quelles circonstances vous avez été amené à vous détacher de la psychanalyse. Maintenant, vous êtes, on peut le dire, spécialiste des thérapies comportementales et cognitives, qu'on appelle aussi les TCC. Donc c'est une toute autre orientation. Vous êtes un des principaux auteurs du livre noir de la psychanalyse, qui est un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie en 2005 aux éditions Les Arènes. Il y a la nouvelle édition qui est légèrement abrégée, je crois. Oui, oui, oui. Et qui est sortie en 2013. Il y a aussi une version de poche. C'était sous la direction de Catherine Meyer. Vous êtes, ça c'était avant, vous êtes l'auteur unique là, des illusions de la psychanalyse, qui, on peut le dire, aux éditions Mardaga, qui est sorti en 81, qui vous a fait connaître. C'est là que, en plus, vous affichez comme critique de la psychanalyse. Et c'est un livre que je recommande évidemment à tout le monde, parce qu'il est extrêmement détaillé, très sourcé, avec énormément de citations, de références. Quand on s'intéresse à la critique de la psychanalyse et à la psychanalyse, à mon avis, c'est indispensable de le lire. Alors, pour cet entretien, on pourrait vous laisser 2 heures pour nous expliquer ce qu'est la forclusion, mais je pense que ça serait pas tellement utile. Oui. On va plutôt parler donc dans cet ouvrage, Les illusions de la psychanalyse, qui est donc très détaillé, très argumenté. Vous écrivez à la page 54 de la 4e édition: les énoncés les plus intéressants des psychanalystes sont très généralement repris à des prédécesseurs, philosophes, psychiatres, psychologues, etc. Les énoncés proprement psychanalytiques sont le plus souvent sans aucune valeur scientifique. Alors, on le sait peu, mais alors quel concept Freud a-t-il emprunté et à qui ? Oui, effectivement, quand moi-même j'ai lu cet énoncé, j'ai été très surpris à l'époque où j'étais encore dans le courant psychanalytique. J'avais lu ça chez Hans Eysenck, ça me semblait tout à fait farfelu. Mais c'est parce que ce qu'on m'avait enseigné, ce qu'on enseigne encore toujours aux étudiants en psychologie ou en psychiatrie, c'est que les choses commencent avec Freud sans voir ce qu'il y a avant, alors qu'il y a déjà énormément de conception, de faits, d'observations, de théories, etc., chez des philosophes et aussi déjà chez des psychologues. Et notamment, un professeur de psychiatrie qui s'appelle Alfred Hoch, en 1908, avait dit déjà cela. Je ne l'avais pas lu à ce moment, au début de mes interrogations. Il disait: il y a chez Freud du bon et du nouveau. Malheureusement, le bon n'est pas nouveau et ce qui est nouveau n'est pas bon. Alors, pour les croyants, la psychanalyse, c'est évidemment complètement farfelu, parce qu'ils pensent que c'est Freud qui a découvert l'inconscient. Par exemple, j'ai eu un collègue à l'université qui enseignait dans un cours de première année à ses étudiants que c'est Freud, comme Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, il avait découvert l'inconscient. Alors moi, je donnais quand même à lire aux étudiants des textes qui montraient que déjà chez Sénèque, dans l'Antiquité, il y a des notions qui touchent à l'inconscient, que chez Descartes, par exemple, aussi. Descartes dit que nous pouvons être influencés par des souvenirs dont nous avons oublié la trace, et surtout... Chez Leibniz aussi. Hein. Chez Leibniz, et surtout chez Leibniz. Alors, au 18e, 19e siècle, le concept d'inconscient devient tout à fait banal. Il y a un très gros bouquin qui s'appelle « Philosophie de l'inconscient », qui parlait en 1859, Freud était encore en court-culotte, et c'est un gros bouquin, il a 678 pages, c'est facile à retenir, 678, et ce livre qui a été traduit en français, en anglais, et tout ça, eh bien, il parle de l'inconscient, il parle des rêves, il parle de tout ce que Freud parle.
Freud d'ailleurs le cite. Hein. Freud, au début de son œuvre, cite assez bien des auteurs dont il s'inspire. Par la suite, il ne va plus beaucoup citer, sauf des philosophes comme Platon et tout ça, mais plus des prédécesseurs. Et donc, effectivement, par exemple, la notion de lapsus. On parle de lapsus freudien. Si vous lisez bien la psychopathologie de la vie quotidienne, vous allez voir que Freud utilise un exemple de Mehringer. C'est le fameux exemple du président de l'Assemblée des parlementaires qui dit « voilà, je constate la présence d'autant de parlementaires, je déclare la séance close ». Il voulait dire la séance ouverte. Et donc, voilà, on en déduit qu'il aurait déjà voulu partir, qu'il était pressé, il avait peut-être un rendez-vous amoureux ou que sais-je. C'est un exemple de Mehringer, pas un exemple de Freud. Alors, Mehringer, qui est un linguiste, un philologue, a écrit tout un bouquin sur les lapsus avec un psychiatre qui s'appelle Meyer et qui paraît en 1895, avant que Freud ne s'intéresse aux lapsus. En 1900, alors que Freud n'a pas encore écrit son livre sur les lapsus, les actes manqués, aux États-Unis, un numéro entier de la Psychological Review, la grande revue de psychologie de l'époque, il y a un numéro spécial entier sur les lapsus. On reprend la théorie d'Herbart, c'est-à-dire qu'il y a des tensions, il y a des conflits, et le lapsus est parfois le résultat d'un conflit d'idées. Il y a des lapsus qui sont tout simplement le fait qu'un mot est plus fréquent qu'un autre. Alors, ce que Freud va faire, c'est rien d'original, enfin si, c'est original, mais ce n'est pas bon. C'est-à-dire que pour interpréter un lapsus, eh bien lui, il va proposer toujours, ou en tout cas très souvent, de faire des associations libres jusqu'au moment où on arrive au thème que lui trouve fondamental, c'est-à-dire la sexualité réprimée ou refoulée. Alors que l'explication est parfois beaucoup plus simple. Dans le célèbre exemple qu'il donne dans la psychopathologie de la vie quotidienne, quand il cherche le nom d'un peintre du Quattrocento, Signorelli, alors il pense à qui ? Il pense à Botticelli. Alors il fait toute une histoire, une construction énorme pour expliquer pourquoi il a pensé à Botticelli. Il a ouvert le nouveau tiroir. Oui, alors il fait des associations dans tous les... Alors que ça n'a rien de mystérieux. Signorelli, Botticelli, ces deux peintres du Quattrocento, ça a les mêmes sons, hein, Botticelli, Signorelli, le même nombre de syllabes, les significations, c'est tout à fait de la même famille. Il est allé chercher midi à 14h. Et donc, voilà, pour les lapsus, il est important de dire, les lapsus soi-disant freudiens, eh bien, ce n'est pas du tout une découverte de Freud. La notion d'inconscient, idem. Sur les rêves, on peut raconter la même chose. Il y a une énorme littérature déjà au 18e, 19e siècle sur les rêves. Il suffit d'ailleurs de prendre le gros volume de Freud sur les rêves, La Trompe d'Othon, qui est son plus gros livre, 600 pages à peu près. Il y a à peu près 100 pages sur ce qu'il intitule la littérature scientifique sur les rêves. Et on voit que tous les mécanismes dont Freud va parler, la condensation, la symbolisation et tout ça a déjà été raconté. Il n'y a rien d'original, si ce n'est que Freud, qui notamment reprend la thèse d'un des plus célèbres psychiatres du 19e siècle, qui s'appelle Griesinger, qui dit que dans les rêves s'expriment nos désirs les plus secrets, comme dans la psychose, nous dit Griesinger, et Freud reprend cette idée, il cite Griesinger, mais ce que fait Freud, c'est généraliser à outrance cette proposition. Il dit tous les rêves, sans exception, même les pires cauchemars, sont toujours la réalisation d'un désir. L'essence du rêve, c'est la réalisation d'un désir. Et ça, je pense que c'est éminemment contestable. Donc on voit de nouveau que ce qui est nouveau chez Freud, c'est la généralisation à outrance d'une idée qu'on trouve déjà très couramment, même dans l'Antiquité, puisqu'il y avait déjà des gens qui faisaient des interprétations de rêves, etc. Mais ce n'est pas bon, la manière dont Freud va utiliser cela. Et on peut continuer sur la sexualité infantile et d'autres choses. Non, ce qui est spécifiquement freudien est en général, en tout cas scientifiquement, non vérifié la plupart du temps. Et donc, ça paraît étonnant, étonnant pour les personnes qui n'ont pas lu la littérature du 19e siècle ou des siècles précédents. À ce sujet, je dois dire que le livre qui m'a
très fort marqué aussi dans ce processus de déconversion de la psychanalyse. C'est le livre que j'ai ici à portée de la main. C'est le livre d'Henri Ellenberg. Vous voyez qu'il est assez volumineux. Dans l'édition anglaise, il y a 900 pages. Et on a refait une édition maintenant, tout récemment, chez Fayard. Il y a à peu près 1000 pages. Et ce que Henri Ellenberger, oui, ça c'est une ancienne édition, on la trouve plus telle quelle. Malheureusement, la nouvelle édition, il y a le portrait de Freud, ce qui est absurde, parce que Ellenberg, justement, qui était au départ un psychiatre freudien, quand il a été nommé professeur d'histoire de la psychothérapie à la Fondation Mehringer aux États-Unis, eh bien, il a constaté l'ampleur de tout ce qui avait été dit avant Freud, et il s'est mis à lire Janet, Adler, Jung, bien sûr, mais aussi Paul Dubois de Berne, Forel, etc. Et Freud, au fond, prend place dans un courant que Ellenberg rappelle la psychiatrie dynamique, hein, mais Freud est beaucoup moins original que le croient la plupart des gens, y compris les universitaires qui n'ont pas pris la peine, qui ne connaissent pas le livre d'Ellenberger, qui n'ont pas pris la peine de lire des ouvrages philosophiques et psychologiques du XIXe siècle. Et on voit que, je me répète là, que malheureusement, ce que Freud a rajouté, en quelque sorte, c'est généralement le moins valable. Alors justement, vous venez d'en parler, quelle est la pertinence théorique des outils créés par la psychanalyse? Alors vous avez parlé de l'inconscient, mais donc oui, il y a évidemment le refoulement, la résistance, le transfert, oui, le fameux complexe d'Oedipe, et puis la trinité, moi sur moi, ça. Oui. Est-ce oui, que, voilà, avec le recul un peu, parce que maintenant la psychanalyse a plus d'un siècle, tout ça a été quand même éprouvé, qu'est-ce qu'il faut en conserver, s'il faut en conserver oui, quelque chose? Oui, oui. En fait, les critiques ont commencé très rapidement, et pas seulement par hostilité pour Freud, mais pas mal de ses collègues ont critiqué assez rapidement ces concepts, en particulier le fait que s'il obtenait toujours un peu les mêmes histoires de ses patients, c'est parce qu'il faisait de la suggestion, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui du conditionnement. Alors, pour la notion d'inconscient, qui est quand même la notion qui paraît la plus fondamentale de la psychanalyse, en tout cas c'est ce que pensent les gens. Alors il faut rappeler ce que j'ai dit il y a un instant, c'est que ce n'est pas une nouveauté, mais alors comment est-ce que Freud conçoit l'inconscient? Eh bien il le conçoit assez bien à la manière des romantiques allemands, comme une chose qui est à l'intérieur de nous. Il est évident qu'il y a une série de processus inconscients. Pour l'instant, je vous parle sans réfléchir évidemment aux règles de grammaire que j'applique, je pense, j'espère correctement, etc. Donc il y a toute une série de processus inconscients grâce auxquels évidemment nous pouvons parler, écrire, penser, etc. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et d'ailleurs la psychologie scientifique, expérimentale, déjà à la fin du 19e siècle, fait déjà des recherches sur les processus inconscients. Ce que Freud fait, et c'est là, je pense qu'on peut le critiquer, c'est qu'il fait de l'inconscient une espèce d'autre en nous. Hein, il y aurait en nous, un personnage, en quelque sorte. C'est pas métaphorique du tout. Non, non, non. C'est un peu ambigu. Au début, d'ailleurs, son œuvre, il parle plutôt, il utilise le mot inconscient plus souvent comme adjectif, mais alors, progressivement, ça devient vraiment une réalité qui est à l'intérieur de nous, qui décide de toute chose, qui a des pensées, qui souhaite des choses dont, soi-disant, nous ne serions pas du tout conscients. Par exemple, le complexe d'Oedipe, si vous voulez, on peut, puisque vous le citez, et que quand même, Freud lui-même, à la fin de sa vie, notamment dans l'abrégé de psychanalyse, donc son dernier livre, qui est en quelque sorte son testament, dit s'il y a bien une chose que la psychanalyse a apportée, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, ce complexe d'Oedipe, parlons-en, si vous voulez. Oui, oui. Il faut d'abord dire que Freud en a eu l'idée, non pas tellement en écoutant ses patients, mais en faisant un rêve et en se rappelant notamment qu'il aurait vu sa mère nue et que ça l'aurait excité. Et alors il écrit à son ami Fliess, au fond, c'est ça qui explique aussi le succès
universel, ce qui est une idée de Freud, le succès universel de la pièce de Sophocle, Œdipe III, etc. Et donc, il va alors très rapidement trouver chez ses patients ce fameux complexe d'Œdipe qui va définir, lui, clairement et toujours jusque dans son dernier livre, comme étant le désir de coucher avec sa mère, d'avoir des relations sexuelles avec sa mère et de tuer son père. Donc, quand les gens vous disent « Ah, vous savez, Freud avait quand même raison, mon petit garçon a dit « Il aimerait bien se marier avec moi hein, », et puis quand il a dit « Papa est méchant », vous voyez bien, c'est l'Œdipe. Non, c'est pas du tout ça que Freud écrit. Ça, c'est la version populaire. Mmh. Hein, ça, c'est la version que vous trouvez dans les magazines que vous lisez en attendant votre tour chez le coiffeur. Non, non, ce que dit Freud, c'est ce que je viens de répéter. Alors, ça, est-ce que ça a été vérifié et comment? Alors, Freud utilise tout le temps la notion d'inconscient pour maintenir envers et contre tout cette thèse qui déjà a été historiquement une des causes principales de la dispute avec son disciple bien-aimé pendant un temps, Carl Gustav Jung, hein, la notion de complexe d'Œdipe. Jung dit, je pense qu'un sauvage, et à l'époque on pensait que les sauvages étaient ceux qui étaient le plus proche, si vous voulez, de l'inconscient, hein, du véritable inconscient caché, qu'un bon sauvage préférait coucher avec une jeune sauvage qu'avec sa mère. C'est l'expérience d'ailleurs de la plupart des personnes. Voilà. Pendant ma psychanalyse didactique, il ne m'est jamais venu de souvenir, le moindre souvenir, du fait que j'aurais eu envie de coucher avec ma mère. Vous n'avez pas assez creusé, c'est ça qu'on vous dit. Oui, j'ai toujours, depuis que je suis petit, depuis que j'ai des souvenirs érotiques, je crois que j'ai toujours fantasmé sur des filles de mon âge ou même un peu plus jeunes. Et quant à l'envie de tuer mon père, je n'en ai pas le moindre souvenir. J'ai le souvenir, une fois, d'avoir fait un cauchemar où mon père était mort, ce qui n'était pas tellement étonnant comme cauchemar, parce que mon père avait été prisonnier des Allemands, et il faisait des cauchemars, mes parents dormaient à la chambre à côté, et alors de temps en temps j'étais réveillé parce que mon père hurlait, il avait des souvenirs de guerre, où il se sentait persécuté, il voyait des nazis, enfin des choses comme ça, et donc l'idée que mon père pourrait mourir un jour, j'en ai rêvé, j'étais épouvanté, ça ne correspondait absolument pas à un désir. Alors, Freud, face à ça, dit oui, mais enfin, si vous aviez peur que. Vous n'aviez pas envie que votre père meure, c'est qu'inconsciemment, vous avez envie. C'est ce qu'il raconte dans le cas du petit Hans. Si vous lisez bien l'histoire du petit Hans, qui est un des cinq cas canoniques de la psychanalyse. Dont vous parlez oui, longuement. Dans le livre assez longuement. Le petit Hans dit, à un moment donné, il dit « J'aimerais bien battre des chevaux ». Alors le père dit « En fait, qui voudrais-tu battre maman, ta sœur, moi ?» Parce que son père était convaincu par le théorie psychanalytique. Oui. C'est ça. Donc le père faisait en quelque sorte la psychanalyse du petit. Alors le petit Hans dit « Mais j'aimerais battre maman ». Et il est agressif à l'égard de sa maman. Hein, on le voit à plusieurs reprises. Et dès qu'il a peur des chevaux, puisqu'il avait une phobie des chevaux, il se réfugie auprès de son père et il proteste en disant qu'il aime tellement son père que c'est le père qui le rassure. Alors Freud dit, ben voilà, il a bien le complexe d'Œdipe parce que l'amour pour le père, dit-il, est une formation réactionnelle. S'il manifeste tellement d'amour pour le père, c'est parce qu'en réalité, il veut le supprimer. Et s'il manifeste de l'agressivité à l'égard de la mère, il dit, ce sont des impulsions sadiques. Sadistische Antriebe, dit-il en allemand, des impulsions sadiques qui montrent bien le désir de l'inceste. C'est-à-dire que, quel que soit les faits, ça n'a pas d'importance. On maintient la théorie comme dans la religion. Hein, si vous voyez des faits en contradiction, vous avez prié pour avoir un miracle, vous n'avez pas de miracle, vous n'avez pas suffisamment prié, vous avez mal prié, ou bien alors Dieu veut vous éprouver davantage, comme Job, etc. Donc, il y a toujours une explication. On maintient le dogme. Et il n'y a donc pas moyen de réfuter une théorie freudienne, hein, ce qui nous amène alors à une autre question qui est celle de la réfutabilité. Alors, un mot encore sur l'autre concept qui est vraiment le concept typique de la psychanalyse. Oui, enfin, il y en a encore un autre qui est celui de transfert, mais celui de refoulement. Alors, y a-t-il des refoulements ?
Dans une certaine mesure, oui, nous pouvons effectivement éviter de penser à des choses qui sont déplaisantes. Et nous pouvons aussi avoir ce que l'on appelle des oublis motivés. C'est comme ça que les psychologues appellent le fait que nous pouvons oublier des choses déplaisantes. Quelqu'un qui avait parfaitement noté ça dans ses mémoires, c'est Charles Darwin. Charles Darwin écrit qu'il avait une règle d'or, golden rule, dit-il, c'était de noter immédiatement et le plus fidèlement possible tous les faits qui venaient en contradiction avec sa théorie. Parce que, ajoutait-il, c'est cela que j'ai tendance à oublier le plus facilement. Donc c'est vrai que Nietzsche aussi dit la même chose. Nietzsche dit, voilà, je me souviens d'avoir fait telle chose, mais mon amour propre me dit, mais non, tu ne l'as pas fait. Et finalement, la mémoire cède, c'est l'amour propre qui l'emporte. Donc il y a effectivement l'oubli de certaines choses, notamment de choses désagréables. Mais chez Freud, ça devient le mécanisme par excellence qui permet de maintenir envers et contre tout la théorie. Donc dès que vous n'êtes pas d'accord, voilà, vous avez des refoulements. C'est d'ailleurs ce qui a fait les diverses écoles de psychanalyse. En fait, très rapidement, Adler, Stekel, Jung et d'autres se sont disputés parce que comme ce sont des disciplines purement herméneutique, où vous n'avez pas de critères objectifs et solides pour dire quelle est la bonne interprétation, les disputes se sont très rapidement développées, et au lieu d'en rester à des disputes intellectuelles, Freud a tout de suite accusé les disciples qui étaient en désaccord avec lui de refouler, et allant même un petit peu plus loin, disant qu'ils étaient névrosés. Il dit, voilà, Adler... Mais les autres lui rendent l'appareil. Et les autres lui rendant l'appareil, exactement. Jung écrit, enfin, c'est intéressant de voir la correspondance de Freud et Jung, les dernières lettres sont vraiment pas aimables. C'est assez vif, oui. Ils se traitent mutuellement de névrosés. Et donc, c'est ainsi que ça se termine assez, assez méchamment. Donc, voilà, pour cette notion de refoulement, je pense qu'elle est utilisée de nouveau d'une manière tout à fait généralisante à travers tout, et que ça, c'est une spécificité de la psychanalyse. Un mot, si vous voulez, sur le transfert, mais bon, on ne peut pas parler de tout, je ne sais pas quelles sont les autres questions qui vous intéressent, mais... Oui, alors ça, c'est une vieille idée. La conception, disons, tripartite de la personnalité, nous la trouvons déjà chez les Grecs, chez Platon, il y a aussi trois étages, il y a le ventre, les désirs, il y a le courage, l'âme, et puis il y a la raison qui devrait... dominé. Alors ça correspond un petit peu au surmoi, au ça, les pulsions, et alors au moi qui doit faire, si vous voulez, la part des choses, essayer de concilier les impulsions qui viennent du ça avec le surmoi. C'est une belle métaphore, pourquoi pas, mais très spatiale. Oui, très spatiale, effectivement. Oui, je pense que ça n'apporte pas grand-chose et que ça ne permet pas spécialement de faire de la psychothérapie de personnes qui ont des vrais problèmes. Mais oui, on peut dire qu'effectivement, il y a des tendances que nous essayons de contrôler. Maintenant, en fait, si on regarde d'un peu plus près, puisque je me suis beaucoup intéressé, comme vous savez, aussi à la question de la gestion de soi, comment se gérer, le choix qui nous est, je ne vais pas dire constamment, mais en tout cas très souvent proposé, c'est le choix entre des satisfactions immédiates et des satisfactions à long terme. Donc ce que nous faisons lorsque nous suivons en quelque sorte le surmoi, nous tenons compte de conséquences à long terme et nous refusons les satisfactions à court terme ou bien nous acceptons de souffrir dans l'immédiat de façon à avoir des avantages plus tard. Donc je ne sais pas si cette conception est tellement, tellement utile finalement. Oui, quant à la notion de transfert, si vous voulez, puisque bon, Freud dit lui-même que les principaux concepts de sa théorie, c'est la notion d'inconscient refoulement et la notion de transfert. Alors, c'est tout à fait vrai que
nos relations sont empreintes des relations passées, hein. Nous trouvons des gens sympathiques parce que nous avons eu des relations avec des personnes qui leur ressemblent. Ça arrive à tout le monde de dire « je trouve sympathique parce qu'il me rappelle quelqu'un de sympathique » ou d'emblée nous trouvons quelqu'un d'antipathique. Donc nous faisons, si vous voulez, des transferts affectifs. Maintenant, ce que Freud dit, c'est que dans une cure, par exemple, nous transférons essentiellement les sentiments que nous avions à l'égard de notre père et de notre mère sur le psychanalyste. Or, et que c'est ça qui est fondamental. Alors, je pense que, en fait, toute une série de relations peuvent nous imprégner, nous influencer, et pas seulement les relations avec nos parents. Sans doute, elles ont un effet très puissant, puisque quand nous sommes petits, nous n'avons pas d'esprit critique, pas de recul, nous avons besoin de protection, nous croyons tout naturellement ce que nous disent les parents. Donc, nos parents passent beaucoup de temps. Oui, nous passons beaucoup de temps avec eux. Donc, c'est certain que nos parents vont beaucoup nous influencer, que nos comportements vont largement dépendre, nos valeurs vont largement dépendre de nos relations avec nos parents. Mais avec l'âge, les relations se diversifient. Et pour les adolescents, par exemple, le groupe des copains, les relations avec les pères, P-A-I-R-S, va avoir autant d'influence, si pas plus, qu'avec le père, qu'avec les parents, etc. Et donc là, de nouveau, ce que je reproche, ce qu'on doit reprocher, je crois, à Freud, c'est la généralisation, en disant, voilà, c'est toujours la relation au père et à la mère, c'est ça qui joue, c'est ça qui est absolument fondamental. De nouveau, c'est une généralisation absolue chez lui, généralisation, donc, discutable. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du cas du petit Hans. Freud a fondé la psychanalyse sur une poignée de cas princeps, c'est-à-dire sur l'analyse de premiers patients qui auraient à la fois mis au jour la théorie et l'auraient confirmée. Alors, ces cas princeps sont toujours mis en avant par les psychanalystes aujourd'hui. Que faut-il penser de ces prétendus grands succès théoriques et thérapeutiques qui sont peu nombreux, hein. Oui. Oui, alors, vous évoquez sans doute les fameuses cinq psychanalyses. Oui, bon. Alors, parce que, au fond, le cas Prinkeps de la psychanalyse. C'est pas Freud, d'ailleurs. Non, c'est pas Freud, c'est Breuer, hein. Qui a été son mentor pendant un temps, qui l'a même aidé financièrement, etc. Il n'a jamais vu Anao, d'ailleurs, Freud. Hein. Il y a des gens qui disent, voilà, Freud a guéri Anao. J'avais un collègue qui enseignait ça à l'université. Alors que, un, Freud n'a jamais vu Anao, c'est la patiente de Breuer, et deux, Anao n'a pas du tout été guéri. Alors ça, c'est un mensonge de Freud. Et la découverte de ce mensonge m'a beaucoup impressionné. On le trouve dans le livre d'Ellenberger. Alors Ellenberger, donc, quand il a fait l'histoire de la psychothérapie, il s'est donné la peine d'essayer de retrouver qui était Anao. On pourrait longtemps en parler. Il a fait une espèce d'enquête policière. Il avait une photo d'Anao. Il a vu au dos le nom du photographe, le lieu. Et puis il a fini par retrouver l'institut psychiatrique où Anao est allé au terme de la fameuse thérapie par la parole, hein, de Breuer. Alors Freud écrit à plusieurs reprises que Anao a été guéri de tous ses symptômes. Ah, le symptôme, écrit-il, même encore, par exemple, dans l'autoprésentation de 1925. Il a maintenu ça. Alors qu'il savait parfaitement, notamment parce que sa femme était amie elle connaissait la famille de Bertha Pappenheim. Le vrai nom de Anao. Oui. Et donc, il savait très bien, aussi par Breuer, que cette thérapie n'avait pas du tout été un succès. Alors, il y avait quelques symptômes qui avaient disparu, comme par exemple le dégoût de boire avait disparu après que Anao avait pu raconter qu'un petit chien ayant bu dans une tasse, etc., que ça l'avait dégoûté, elle avait raconté ça et après ça, elle avait demandé à boire. Il y avait donc des troubles qui avaient disparu, mais globalement, les choses étaient vraiment détériorées à tel point que Breuer avait conduit cette charmante personne, aussi parce que lui était un peu tombé amoureux d'elle et que sa femme commençait à être très jalouse, enfin pour diverses raisons, mais aussi parce que cette thérapie n'avait pas du tout marché, il l'a mis dans un institut psychiatrique.
Hein. Donc l'institut qui se situe à Kreuzlingen, enfin près du lac de Constance, peu importe, et où Ellenberg a retrouvé tous les documents montrant que Anao n'avait pas du tout été guérie et qu'elle était encore restée pendant plusieurs années, en se permettant des sorties bien sûr, mais que pendant plusieurs années elle était restée dans un institut psychiatrique, après quoi elle avait quand même fini par aller mieux et même par devenir une militante féministe, organiser un orphelinat et tout ça. Donc cette Anao a fini par faire une assez bonne carrière. Mais dans un premier temps, on voit que cette thérapie était un échec. Et de même, les autres thérapies réalisées par hypnose, parce que Freud a d'abord travaillé avec de l'hypnose et de l'hypnose directive, autoritaire, eh bien, la plupart de ces cas n'ont pas marché. D'ailleurs, lui-même, si vous lisez, par exemple, le cas d'Ora, il dit « tout ce que j'ai fait avant, ça ne marchait pas bien, et maintenant j'ai modifié la technique, c'est la technique des associations libres. Au lieu de faire une hypnose directive, je fais maintenant, je laisse les personnes parler de ce qu'elles veulent, et à partir de là, nous faisons des associations, et nous replongeons en quelque sorte dans l'inconscient. » Bon, alors, nous arrivons à ces fameux cas. Et le cas de Ra, qui est le premier présenté parmi les cinq psychanalystes, qui semble aussi être un des premiers, pas tout à fait le premier, mais un des premiers cas traités par proprement ce qu'est la psychanalyse, les associations libres et leur interprétation, ça a été un échec total. Cette brave Dora, qui était une jeune fille était manipulée par son père au profit d'un amant, etc., eh bien, elle a été envoyée chez Freud pour qu'elle cesse de se plaindre des assiduités de l'ami de son père. Et Freud a tout de suite fait des interprétations complètement tirées par les cheveux, ridicule quand elle joue avec son porte-monnaie, il dit « voilà, je vois bien symboliquement, vous êtes en train de vous masturber, enfin, etc. » Et cette brave Dora, Ida Boer, comme elle s'appelle de son vrai nom, après 11 semaines, elle a claqué la porte et elle a trouvé que tout ça était complètement farfelu. Et Freud tout de suite a dit « ben voilà, elle s'est vengée sur moi, ses transferts négatifs, etc. » Il ne se met absolument pas en question. Contrairement à un comportementaliste, quand moi j'ai un patient qui ne va pas bien, je me demande si je n'ai pas suffisamment fait ça, si j'ai trop fait ça, si etc. Freud ne se met pas en question. Il dit, voilà, le patient a fait un transfert hostile à mon égard, etc. Alors, les autres cas. Alors, le moral, le mot loup. Le moral, le mot loup. Alors, Schreber, passons rapidement, c'est le seul cas de psychose que Freud analyse en détail. Il ne l'a jamais vu, alors que Schreber vivait encore à l'époque. Mais il a travaillé uniquement sur un bouquin sur les mémoires du président Schreber. Et là, il se lance dans des interprétations plus ou moins farfelues, plus ou moins délirantes sous le délire, justement, du président Schreber. Alors, le cas du petit Hans qui a peur des chevaux, ben, écoutez, c'est un cas très simple du point de vue de la psychologie scientifique. Alors, le petit Hans... C'est clairement dit dans le livre de Freud. Le petit Hans a peur à partir du moment où il a vu un cheval qui est tombé, dit-il, avec un grand fracas. Or, pour un jeune enfant, un bruit violent est un stimulus inné, inconditionnel, dirait Pavlov, qui déclenche automatiquement la peur, même parfois encore chez des adultes. Le cheval est grand, etc. Il y a beaucoup de gens, et notamment les enfants, qui peuvent avoir peur des vaches, des grands animaux. Donc, il a peur de ce cheval qui s'est retourné, qui s'est débattu, qui a fait un énorme bruit. Il a peur à partir de ce moment-là. Alors, le père et Freud vont faire des interprétations farfelues. Ça va évidemment revenir sur le complexe d'Édipe et de castration. Hein, la peur, si la peur du cheval, c'est soi-disant parce qu'il a peur de la castration, parce que le cheval a des grandes dents, représente le père, etc. Enfin, bref. Mais il n'y a rien de plus simple qu'une phobie d'enfant. Les phobies d'enfant viennent et partent très facilement. Et comme l'enfant est confronté journellement à la vue de chevaux, il habite en face donc d'un entrepôt où entrent et sortent des chevaux, il est normal que, constatant qu'il n'y a plus aucun incident, il y a une exposition systématique qui est la règle pour faire disparaître des phobies. Donc après 2 mois, cette phobie disparaît. Ce n'est absolument pas un succès thérapeutique. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, l'homme au rat, eh bien, qui souffrait d'obsession,
On n'en sait pas grand-chose parce que le malheureux est mort à la guerre, mais ce que l'on sait quand même par une conversation de Freud avec Jung, que Jung a rapportée, c'est que Freud savait qu'il n'allait pas aussi bien que ça. Ce serait un des seuls cas enfin, qui aurait quand même été mieux. Quant à l'homme au loup, il souffrait de troubles maniaco-dépressifs, donc de ce qu'on appelait autrefois la folie circulaire, ce que Kraepelin, le psychiatre rival de Freud, avait très bien diagnostiqué, mais diagnostic que Freud avait refusé. Alors il avait pris en thérapie, à un moment donné, c'est vrai que le mot loup allait beaucoup mieux, mais c'est parce qu'il était cyclique. Et donc après être remonté dans le cycle de l'humeur, il est retombé, il a été psychanalysé pendant plusieurs dizaines d'années et il a fini sa vie d'ailleurs dans un institut psychiatrique. Donc c'est un échec aussi. On l'a aidé à aller mieux à certains moments, mais il souffrait avant tout d'un trouble bipolaire grave. Et aujourd'hui, c'est le genre de personne que l'on devrait traiter par des médicaments parce que la psychanalyse est impuissante à aider réellement ce genre. Donc au total, ce n'est pas du tout brillant. Et si Freud a publié des cas aussi malheureux que le cas de Dora, c'est parce qu'il n'avait pas tellement de succès à publier en réalité. Et Michael Borg-Jacobson, qui est un historien de la psychanalyse... Un des contributeurs du livre noir de la psychanalyse. Oui, effectivement, c'est un compagnon, je pourrais dire, de combat ou de démystification. Alors, il a écrit tout un livre aussi sur Anao, sur Bertha Papenheim, qui s'appelle « Une mystification centenaire ». Donc, et donc, il a écrit un excellent livre sur les patients de Freud, ça s'appelle « Les patients de Freud », tout simplement. Et il a passé en revue les patients dont on connaît bien l'histoire, l'évolution. En réalité, il n'y a que 3 patients sur 31 qui ont été mieux. Les autres n'ont pas progressé ou se sont détériorés, dont plusieurs se sont suicidés. Dont on ne parle pas tellement, évidemment, dans l'histoire de la psychanalyse, mais on connaît des cas. Il faut aussi dire, quand même, nous allons peut-être parler tantôt de l'effet de la thérapie psychanalytique, il faut quand même souligner qu'il y a aussi des effets de détérioration. Hein. Il n'y a pas seulement des gens qui vont mieux, il n'y a pas des gens qui restent stationnaires, il y a des gens qui se détériorent, comme avec des traitements médicaux. Il y a des traitements médicaux qui font plus de tort que de bien. Il y a des psychanalystes qui peuvent faire beaucoup de tort. C'était le cas notamment d'un certain Horace Frink, que Freud rêvait de promouvoir le président de l'Association américaine de psychanalyse et qui a fini sa vie dans un institut psychiatrique. Hein. C'était un échec complet, ce que Freud a d'ailleurs reconnu. Il en était très malheureux. Donc, ce qui est vraiment déroutant, c'est que les psychanalystes d'aujourd'hui continuent à considérer que ces cas sont valorisants pour la psychanalyse. Oui, c'est assez stupéfiant. C'est assez stupéfiant. Parce qu'ils savent tout ça. Ils ne savent pas toujours, parce que ce qu'on enseigne à l'université, on n'enseigne pas évidemment les choses qui ne marchent pas. Oui, mais le livre noir de la psychanalyse, quand même. Oui, mais vous savez, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le lisent pas ou qui le rejettent. Il paraît même que le seul acte violent en rapport avec le livre noir, m'a raconté Catherine Meyer, c'est un libraire qui un jour a reçu le livre noir en pleine figure. Donc il y a des gens qui le rejettent. Oui, ça doit pas être agréable. Ça c'est la version abrégée. Oui, plus. Mais donc il y a des gens qui le rejettent même au plan physique. Enfin, je crois que les cas sont rares. Oui, écoutez, pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner ça? Moi, je suis frappé de la facilité avec laquelle l'être humain croit. Et c'est une question de survie. Si les enfants ne croyaient pas leurs parents, ne croyaient pas les adultes, l'espèce humaine n'aurait sûrement pas survécu. C'est parce que les enfants, quand on leur explique « fais attention à ceci, ne te penche pas là, attention, cet animal est dangereux », ils croient leurs parents et grâce à ça, ils survivent. Ils ne font pas eux-mêmes toutes les expériences de danger, heureusement. Donc, l'imitation et la croyance dans les autorités a une fonction de survie. Et nous avons une tendance tous à croire ce qu'on nous raconte à l'école, etc. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de devenir sceptique. Maintenant, je suis devenu très sceptique pour beaucoup de choses, pas seulement la psychanalyse. Hein. Mais
pour la région aussi, et pour des tas de nouvelles. Moi j'ai le réflexe, et je l'ai enseigné ça à mes étudiants, de dire, quand on raconte quelque chose, comment le savez-vous? Quelles sont vos sources? Très souvent, les gens disent, ah ben, c'est comme ça, enfin, tel médicament, tel remède pour ça, ah bon, et vous savez comment? Qui vous l'a raconté? D'où ça vient? Alors, bon, c'est la même chose ici. On vous explique, voilà, l'inconscient, c'est comme ceci, on explique. Freud fait partie de l'enseignement du baccalauréat, d'éco, de philo. Nous reviendrons peut-être sur la question pourquoi est-ce que la psychanalyse a tant de succès en France. C'est le pays de la psychanalyse, avec l'Argentine. Hein. Il y a d'ailleurs un livre de Charlie Turk qui s'appelle « La France freudienne », où c'est une sociologue américaine du MIT qui est venue voir ce qui se passait en France à la fin des années 60 et qui a dit, enfin, c'est devenu le pays le plus freudien au monde. Et ça tient notamment au fait qu'on enseigne à tous les petits Français dans les cours de philo, d'humanité, en terminale, qu'on leur enseigne l'inconscient, et Freud a découvert l'inconscient, etc. Donc voilà, ça continue à être raconté, j'ai un petit blog là sur Mediapart et je vais précisément présenter le cas de Hans et de Dora en détail, ceux qui veulent en savoir plus, et donc voilà. À lire le cas ou de lire le livre noir de la psychanalyse, ou bien sûr, on a aussi démystifié toutes ces pseudo-guérisons. C'est l'occasion de mentionner, oui, en effet, le blog que vous avez sur le site Mediapart, et puis également les nombreuses contributions que vous avez pu faire à Science et Pseudosciences, la revue de l'AFIS, oui. L'Association française pour l'information scientifique. Voilà. Il se trouve que le dernier numéro est sorti très récemment. Voilà, je le montre. On en reparlera un peu plus tout à l'heure.